Moi, j'ai beaucoup de respect pour le cardinal Mosengo. Je suis écrivain, je suis lecteur. Natanga ba ouvrage na ebele. C'est un brillant intellectuel congolais qui fait la fierté du pays. Il a une autorité publique. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tout comprendre qu'il y a démocratie. Ce n'est pas tout le monde en recevant la victoire à Félix Tshisekedi. 6 millions d'électeurs, il y a Martin, le président Fayulu, Ezo Lakisaki, il y a eu les gens qui ont voté pour lui. Déclaration, il y a papa cardinal, il y a point de vue naé. Ça fait avancer les débats politiques. Je ne vois pas encore ce que cela est coagité. Seulement est-il que les partis panafricains pour le progrès ont une vision d'abus sur le panafricanisme. Nous pensons aujourd'hui que qui s'improvise analyste politique dans les médias au bazo critiquer sortie retard il y a gouvernement il y a Félix Tshisekedi. Moi je rigole parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Kabila Yemoko président sortant, rappelez-vous en 2011 et les juste à la maquille en novembre 2011 a abîmé ça qui gouvernement en mai 2012. C'est pour vous dire que ça fait 6 mois. Na Mali, tout le monde a un président Amadou Toumani Touré, ou bien on a ATT, à ça là 8 mois. Est-ce que Batoubaïbi qui est Belgique, faire à Belgique, ou bien on va avoir une référence, ça là une année sans gouvernement pour la crise qui entre Wallon et les Flamands. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, merci toujours parce qu'il y a de nombreux toujours en train de nous suivre à travers cette émission. Je tiens avec Yannick Wenge, Moto Atonda Nakibunzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Cette émission, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des vrais Congolais ici, en Afrique d'ici, aujourd'hui. Je suis ici à Durban, dans la province de Koutan, là-bas, Congolais, tout simplement Mamboka. Là, il y a un petit politicien, Bélé, dans le Mboko. La Durban, il y a un de Gomorra, il y a un écrivain, il y a un Bélé, tout simplement Mamboka, il y a un Kazanami. Bonjour et bienvenue à cette émission, Chotel. Merci beaucoup, Ndeko Yannick Wenge, pour l'invitation. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Nzambe Nangai. Nzambe, il y a ancêtres, il y a Patrice Lumumba, il y a Thomas Sankara, il y a Rossi Mukendi, il y a Kwame Kuma, il y a Fidel Castro, Nzambe, il y a Sekou Touré, il y a Baïnion, il y a Baboundela, Mabele, Nabiso Tobengi, Maman Ndombi, continent Nabiso Afrique. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous dire. Tout le monde a livré les bossos, tout le monde a lâché la main. Tu fais mon hier. Oui, comme on l'a dit, Maziba, Naza écrivain, Naza orateur panafricain, Naza bongo vice-président du parti panafricain pour le progrès, Naza parti politique, il y a diaspora, Naza en gestation, toujours enregistré des gens à Kinshasa, et Zali basé à Wa, Naza auteur, il y a livre Bomonie, Flames of Revolution. Je n'aime tout ça, livre. Livre dans la Wana, né comme à midi, Maziba. Inspiration, il n'y a pas au créé, maman, livre. Bon, Kokobanda et Banda, les lotes, j'écris depuis que je suis enfant. Je me rappelle déjà, à l'âge de 9 ans, j'écrivais, j'ai grandi dans le petit séminaire. C'est mon premier ouvrage publié, mais livre n'a pas été pour nous, un livre qui déjà dans le monde, déjà dans le mais publié, un livre n'a pas été inspiration d'une manière générale de l'obéza par rapport à vécu n'a pas été. Parce que, Toutimbo Kamoko, où ils ont la réalité est belée. Oui, il y a le Congo, même si le média n'en parle pas, il y a 8 millions de morts aujourd'hui. Il y a le pays le plus riche en termes de richesses, de ressources minérales. Mais il se fait que nous avons une réalité économique purement différente de la réalité. C'est pourquoi je me suis dit, si ceux qui sont musiciens, ils préfèrent, moi je suis écrivain, je l'aime par écriture. Ok, merci beaucoup, tout, vraiment, on va comprendre. Mais par rapport à l'actualité, à la passation des pouvoirs au salami d'Ambo, dans la Bissau, bien voyez, à Moro Mokala, passation des pouvoirs au salami d'Ambo, dans la Bissau, entre présent, Kabila, présent sortant, la présent entrant, réaction des années, c'est le but de mon Je crois que le parti panafricain pour le progrès, tu peux communiquer dans la Bissau, qui est signé par le président Branding Hamza, et les cas qui n'est pas ma collègue Nabino Yaraga TV. Déjà sur internet, te félicite qui son excellence Félix Tshisekedi Antoine, parce que vous savez dans l'histoire du Congo, plus de 50 ans après l'indépendance, il n'y a jamais eu de façon civilisée une remise et reprise entre le président en sortant et le président entrant.
to félicita Kiango. Nous avions pris l'opportunité pour saluer aussi Monsieur Martin Fayulu qui a fait un très bon score au résultat. Je pense que c'est le jeu démocratique. Le peuple a voté Félix Tshisekedi et Martin Fayulu est consacré opposant. C'est une victoire pour le parti panafricain parce que c'est une victoire que nous, un combat que nous avions mené pendant des années. Lelo et Mboka Tozana président au hasard élu par la population, Tozana opposition, c'est un plaisir. Déclaration à Cardinal Mosseng Olobi, Félix Tshisekedi a élité, a mérité poste, on a des postes à battre, a déclaré en Belgique, et ça le barrage de M. Zanactualité. Réaction à Bélé Zanactualité. Bon, tout d'abord, faut dire que moi j'ai beaucoup de respect pour le cardinal Mosseng. Je suis écrivain, je suis lecteur, Nathan Abaouvrage Naé Bélé. C'est un brillant intellectuel congolais qui fait la fierté du pays. Il a une autorité publique. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tout comprendre qu'il y a la démocratie. Ce n'est pas tout le monde qui recevait la victoire à Félix Tshisekedi. 6 millions d'électeurs, il y a Martin, le président Fayulu, et Zola Kisaki, il y a eu les gens qui ont voté pour lui. Déclaration, il y a Papa Cardinal, les a points de vue, naé. Ça fait avancer les débats politiques. Je ne vois pas, je ne vois pas encore ce que cela est co-agité. Seulement est-il que les partis panafricains pour le progrès, on a vision d'abissure à panafricanisme. Nous pensons aujourd'hui que l'heure n'est plus aux querelles, aux vérités des urnes, à toutes ces histoires. L'heure est maintenant à l'unité nationale, à la cohésion nationale, de manière à ce que le président Étienne Tshisekedi, le président Fayulu, opposant Ebélé, de manière à ce que tout le monde commence à faire avancer Mboka. Dans l'idéologie politique, dans le sankarisme, dans le lobby, le que concept politique, on a une position majorité, ils ont leur mot et où tu pas à Mindele. Donc, ils ont leur mot très conflictuel, que vous en avez opposant, vous en avez majorité, ils ont leur mot que la quintessence, ça n'a pas de sens. Tout ça, le lot, dans le cadre, il y a arbre et palabre, où ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont problème, ils ont dit qu'ils 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 ont solution. C'est ça notre point de vue par rapport à ça. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement de Maka a été voyager. Mais le gouvernement jusque-là n'a pas limité. On dirait que l'homme aussi a été entraîné dans Kabila. Non, mais pas du tout. Bon, vous savez, moi, dans les acteurs politiques, j'ai du mal à débattre sur ma spéculation, à Facebook, à WhatsApp. Vous savez, la réalité politique, il y a plusieurs paramètres. Les lots, ceux qui s'improvisent analystes politiques dans les médias, au bazo, critiquer, sortir, retard, il y a gouvernement, il y a Félix Tshisekedi. Moi, je rigole parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Kabila Yemoku, président sortant, rappelez-vous, en 2011, et les juste à la maquille, en novembre 2011, après abîmer ça qui gouvernement en mai 2012. C'est pour vous dire que ça fait 6 mois. Dans Mali, tout le monde a un président Amadou Toumani Touré, au Bango Benga ATT, à ça là 8 mois. Est-ce que Batoubaye dit que Belgique, faire à Belgique, au Bango Bazo à référence, ça là une année sans gouvernement pour la crise qui entre Wallon et les Flamands. Et non seulement ça aussi, il faut aussi Batoubaye comprendre aujourd'hui que le gouvernement a été sur les lobby, il faut investir. Et pour investir, alors que l'Assemblée nationale, il y a un moko, ils travaillent dans le bureau provisoire. Il faut d'abord qu'il y ait une élection définitive au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'administration, ceux qui dirigent l'Assemblée nationale. Ensuite, on pourra voir dans quelle mesure ce gouvernement est causal. Ce sont des spéculations qui, par rapport à. Ils ont état d'âme, il y a Batou, je comprends, mais il faut comprendre que politique, ils ont ma réalité. Par rapport à la déclaration de Moïse Katumbi, Nenga félicité, puis encouragé, président Félix Tshisekedi, il y a trouble dans la mouka, moi trouble, Non, mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure, c'est les jeux démocratiques. Comme on dit, chacun a le droit de donner son point de vue. Donc, c'est cela même, le jeu démocratique. Il faut que ça soit capable de reporter sur nous opinion, ils ont contré un abisso. Ils ont fait avancer les débats démocratiques, les débats républicains. Mais dire que Félix Tshisekedi, il y a qui pion, c'est mal connaître l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti qui a milité pour la valeur républicaine, pour l'état des droits pendant 37 ans. Je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Je suis vice-président d'un parti politique, mais il faut avoir un certain respect, un certain estime pour un parti politique qui a milité pour Nabilo Kohana. UDPS, ils ont compté dans 4 Nabango, veuve, et ils ont compté dans 4 Nabango, ils ont compté dans 4 Nabango pour l'idéologie, ils ont compté dans 4 orphelins,
ma papa n'a pas encore combien de blessés, combien d'assassinés politiques, yemoko président Félix Tshisekedi à vivre en exil, à yebilo ko wana yemoko na ndenge la chair naé. Donc je ne pense pas que le lok bakolo babilo ka bon, quand on remonte même na histoire politique il y a UDPS, on comprend facilement que ils ont un point de vue à Batou. Mais c'est cela aussi le jeu démocratique. Ceux qui Batou Bazo estimaient les lots que UDPS, ils ont bongo acquis la cause de Joseph Kabila, je pense que c'est bien. Batou n'a pas y en a pas preuve. C'est la moindre chose. Merci beaucoup. La mort d'Antoine Kizenga, réaction des années, en tant qu'un politicien, un politicien peut accoucher à titre de réaction. Non, mais ça fait quand même pitié. Ça fait mal lorsqu'on perd des gens qui connaissent l'histoire du Congo. Vous savez, en Afrique de l'Obara, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ce qui est encore plus grave, c'est que sur le plan littéraire, je suis quelqu'un de lettres, je suis écrivain. Sur le plan littéraire, Antoine Gizeng a légué la génération où il y a bande à bisouter, histoire réelle à Biambo, c'est-à-dire qu'il y a un livre moroté où il y a un comme ça, une mémoire, où tout le monde a. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, comment Longo et tout Freedom, comment Confidence, Nangamoko, tous sont des ouvrages disponibles, eux permettent à la génération de histoire politique. Antoine Gizenga Zalaka Moko, il y a j'ai envie de dire, compagnon de lutte sur l'idéologie communiste, il y a Premier ministre Patrice Lumumba, un héros Lelo, la vision panafricaniste de Nabisso. Donc on ne peut que regretter cela, mais je regrette aussi de l'autre côté le fait qu'il n'y ait pas eu de publication littéraire aujourd'hui capable d'éclairer les générations qui viennent. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. Comprenez comment nous sommes en train de tous sur la Masolo Amour. Vous avez toujours branché dans congofrance.com, congofrance, c'est ça. Coupez, ça vient toujours bas information. Maintenant, vous pensez comment il y a aux gens à la Kinshasa, Tony. C'est parti de la Binoza, ils ont installé la Kinshasa, vous avez mis au cara. Ah, non, mais l'installation, c'est un processus. Nous avions, selon la Constitution, nous sommes obligés de déposer nos dossiers auprès du ministère de l'Intérieur et celui-ci agrée notre adhésion. Nous l'avions déjà fait, nous sommes en plein processus aujourd'hui de nous adhérer. Mais la vision qui est la nôtre, l'idéologie qui est la nôtre, tout ça, une idéologie panafricaniste aujourd'hui. Donc il est important, Lelo Batouba, comprendre. Parce que ce côté du débat politique au Salema, au Congo, c'est d'une pauvreté intellectuelle trop criante. On sent aujourd'hui que Batoubazan a débat sur individu, alors que vraie réalité à Congo, Bazo le Bélangoté. L'idéologie aujourd'hui, c'est bien beau d'être dans l'opposition, mais qu'est-ce qu'on prouve, c'est bien beau de critiquer, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui? Dans cela, dans le cadre, il y a perspective, où on a un parti politique a un devoir et à prendre le pouvoir, mais aussi il y a qu'à éduquer masse. Donc, niveau, tout ça, en haut, tout ça, en étape, il y a éducation. Parce que nous croyons qu'on a deux étapes, information, formation, la prise de pouvoir. C'est-à-dire que tout ça, en étape, il y a information, viendra l'étape de déformation et on verra éventuellement comment prendre le pouvoir. Parce que la vision, en 2023, les partis panafricains pour le progrès, ils ont parti à Diaspora, le lot. Il y a plusieurs réalisations que nous avions faites ici en termes de visibilité médiatique, tout militaire, le lot n'a pas parti et belé, le lot pour alternance est à la lot, le lot quelque chose d'acquis. Donc je pense que en 2023, nous sommes dans l'idée aujourd'hui de présenter des candidats députés, des candidats à plusieurs niveaux, aussi bien à la députation qu'aux élections municipales. Merci beaucoup. Par rapport à Ouganda, na Rwanda, na ministre Bozo Kanate, bituma entre baro, bazali ba pays musu, bazali ba pays o ba combattant bisu ba Congolais, ba combattant mboko na bisu makasi, n'est-ce que Bozo Kanate tant que politiquement bon monde. Non, mais d'abord faut comprendre l'origine. Généralement tout qui n'a pas débat au tout bien n'a pas débat des caniveaux. Il faut comprendre, j'en parle dans mon ouvrage, lorsque nous disons au Parti panafricain pour le progrès que le problème du Congo, le problème de l'Afrique se résume à trois niveaux. Il y a le premier niveau que nous appelons le capitalisme néolibéral. Et il dit que pendant que tu fais dit ah ouais, ils ont mindele, bazo créé ba sida, bazo créé ba maladie, bazo financé ba rebelle, bazo pour ça ba économie, pour soutenir dans le livre il y a John Ernest Alobi Bongo livre neza la confession des destructeurs économiques. On comprend le lot que difficulté tout le monde dans le continent africain et bandit Bongo na ba multinationale, il y a ba mindele.
au bazabon, au prémédité, au bazabon, au commanditaire, il y a un malheur africain. Le deuxième niveau, tout ça, na bongo na auto bengi bongo bas sous-traitant. Et lui, quand le bas que batouana bas opérer à bongo mon côté. Pour nous coopérer, pour nous déstabiliser, nous avons toujours toujours nous avons des paiements là-bas. Je me rappelle de Patrice Emery Lumumba qui disait ceux qui n'ont pas filé l'eau, ils ont été pour monter les morts après ça que monde qui pas bon. Donc c'est la réalité du Congo. Où ils allaient que l'eau tout ça déstabilisé, tout ça attaqué, par tout ça occupé, même s'il faut le dire comme ça, par des pays, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et la troisième étape même de difficulté que nous avons, tout ça, bon, on a classe politique. C'est pourquoi le LON a parti panafricain pour le progrès, tout ça, prenait rajeunissement en classe politique. Nous sommes là de manière à ce qu'aujourd'hui, que tout ça, on a un ministre, il y a 28 ans, il y a 30 ans, il y a 32 ans, 35 ans, parce que nous estimons aujourd'hui que classe politique, on a au Zala, na Kassavou, il travaille na Mobout, et il y a Pena Kabila. Il y a autre chose là qu'on change les mêmes, on change les mêmes, on récupère les mêmes individus. Tout est bon de manière à ce que tout apporte pierre politique par rapport à rajeunissement en classe politique. C'est pour vous dire aujourd'hui que la classe politique pèse à l'île de l'eau, il y a des déstabilisations, il y a autre chose vivre en Afrique. Mais aujourd'hui que Rwanda et Ouganda et en a pas de difficulté, ça ne peut que nous réjouir aussi, mais d'un angle aussi, ça peut aussi que nous écœurer, parce que tout ça, les lots n'a logique, il y a panafricanisme, c'est-à-dire que ça rappelle, il y a une idée entre les pays africains. Pour ce temps, il y a Batouya Mayel, il y a Afrique, il y a président africain, Otto Bengi Bongo, son excellence, Osei Agafio, Kwame Kouma, a commandé un ouvrage, il y en a 1957, a commis. Ouvrage, titre et ouvrage, nous avons recommandé déjà bah téléspectateurs, internautes. Titre et ouvrage, c'est Afrique must unite. L'Afrique doit s'unir. Et à la page 39, si je ne m'abuse pas, Kwame Kouma a dit à l'OBA. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateur. Comprenez vraiment toujours dans le cadre de cette émission, tout cela. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Jean-Pierre Bemba, Balobi ou soit Azoa. Mukanda ya Belgique, Mukanda belge pardon, ou soit Azonga Congo, réaction à Bilizan. Non mais je ne vois pas pourquoi est-ce que Azonga Congo, t'es Jean Pepe Madame Moana Mboka et. Vas-y, Congo est en insécurité, moi Azonga. Non mais déjà ça prouve l'absence morale et leadership criant. Quand un chef, quand un dirigeant politique peut tenir de tels propos, ça craint pour l'avenir de ce pays. Est-ce que qu'en est-il là-bateau, bazanaba yumbi lelo, au balamukaka, sans savoir ceux qui ont commis à 16h, ceux qui ont commis 16h, balali, bah évitez ceux qui 5h et tant. Mais ce qui est aussi grave, c'est que ce qui étonne aussi certains observateurs, c'est que les mêmes Jean-Pierre Bemba, Tango, bah libéré na la Haye, tout na pays bas. Tout le monde a zonga na Sénat. Tout le monde a RTNC organisé ba sortie médiatique en forme pour Jean-Pierre Bemba. Donc dire aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba serait interdit à Kozonga Mboka pour des raisons politiques, je pense que c'est de la rigolade aujourd'hui. Il faut à un moment donné que tous soient capables de se faire pour arrêter de prendre les Congolais pour des petits enfants. C'est de la rigolade. Merci beaucoup. Mais Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, on a tenu, partout, on a tenu. Selon Bino, réaction Zanini, qui remonte un président sortant, mais partout il marche avec le tennis militaire partout notamment. D'abord, permettez qu'on a corrigé le Komokoana. J'ai lu ça aussi sur internet, ce qu'ils ont tenu militaire. Ils n'ont vraiment pas tenu militaire. Origine a tenu Wana, ils ont tenu communiste. En fait, ils ont tenu au révolutionnaire Balataka. Ils ont tenu au sautali image à Fidel Castro, à Nord, à Tantan, à Nord, à Néguerre, Sankarapa, à Latango, Vladimir Lénine, à Latango, Karl Marx, à Latape, à tenu à bon. Donc, ils ont tenu moi, généralement anti-impérialiste. Je ne sais pas, je ne suis pas conseiller du chef de l'État, NASA, dans l'entourage, n'a été pour en comprendre le message subliminal aux as derrière Teniwana. Mais toujours est-il que Teniwana, pour la plupart du temps, président Branding n'a pas l'attaquant. Merci beaucoup, toujours dans le cadre de cette émission, toujours sur la caca. Par rapport à l'actualité, le pasteur Alpha Luka, on a dit que c'est que ça monte. Mais la mission PSI, polémique, il y a Internet partout dans les réseaux sociaux. Réaction Zanini, il y a un moment solo, tout le monde.
Bon, il est vraiment difficile les lots de déterminer ceux qui sont à Kambasolo ou des amis à Kamalukuta. Parce que moi, je pense que les lots, ils ont des bâtiments très sensibles. Et puis, en tant que parti panafricain, déjà tout cela, ils communiquaient pour soutenir le révérend pasteur Alpha Lucas. Parce que nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison pour un Africain de combattre un autre frère africain. Déjà à l'époque de Jésus, il y a Mobano Bengi Belzeboul. Jésus, moi, Nanzam, Finga Kie, Batonga Kie, Balbagi, en tout ce qu'il pouvait dire. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas ce qui passe dans le cas où a ressuscité, a ressuscité Moutou et que Lelo est créé pour lui. Mais seulement, je demanderai au peuple de Dieu, Lelo, que les gens soient très, fassent très attention aujourd'hui lorsque nous allons dans des débats passionnés et passionnels. Le pasteur Alpha Lucas, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi en termes de la communauté, non seulement congolaise, mais la communauté sud-africaine. Je pense qu'il y a un minimum d'estime par rapport à quelqu'un de ce genre. Et le loco qui n'a pas de débat passionnel, qu'il a fait ceci, il a fait cela, je pense que c'est un débat sans fin, ils en ont sens. Et de toute façon, qui peut prouver que ça qui est le côté, mais ça qui est celle Dieu. Et je pense que ça, c'est la moindre chose en tout cas. Merci beaucoup. Moi, vers la fin, dans mon message, vous êtes contre les Libanais, contre les Indiens, pourquoi? Beaucoup de xénophobie. Il faut comprendre le contexte politique, les lots selon lesquels Mboka Nabiso a évolué. Tout le bas qui est le contexte, tout ça, il y a un paradigme, il y a autre bien qui panafricanisme néo-révolutionnaire. Cela veut dire aujourd'hui que Thomas Sankara, Sékou Touré, Marcus Garvey, Malcolm X, Baronio Soana, va comprendre que le panafricanisme, dans le cadre, il y a lutte contre le système capitaliste aujourd'hui, ça a été épinglé par les États-Unis, France, Royaume-Uni. Mais c'est fait aujourd'hui que le colonialisme n'est pas seulement occidental, le colonialisme est aussi oriental avec les Chinois et les Pakistanais. Et s'il faut qu'on ait la réalité à Congo, tout ça, les Pakistanais aujourd'hui, qui sont en train de maltraiter nos frères, c'est des Pakistanais qui violent nos soeurs à Kinshasa. Comme ça, on va être esclave sexuel à Kinshasa et on leur paye $70 à salaire. Comme on va être esclave, ils ne peuvent rien dire. Et quand ceux qui ont mis plainte, ils appellent les généraux pour vous dire aujourd'hui que Bazan n'a pas parapluie. C'est pourquoi tout cela est communiqué pour nous aujourd'hui que sur le plan économique, moi je suis économiste en formation, c'est écrit dans mon ouvrage, je ne vois pas l'apport politique quantitatif na qualitatif. Les Libanais et les Chinois ont été très importants. C'est très important le lot qui est très important et qui est très utile. Merci beaucoup. Moment vers la fin, mon message, il y a parti de notre message. Nous avons un numéro de téléphone pour nous rejoindre facilement. Le message est un message à unité parce que nous prenons aujourd'hui l'unité des peuples africains aussi bien dans la diaspora parce que l'Afrique ne se résume pas seulement au continent africain, l'Afrique c'est aussi l'Afrique, l'Haïti c'est l'Afrique, la Guadeloupe c'est l'Afrique. Les Africains ont été déportés pendant 400 ans d'esclavage, 60 ans de colonisation. Aujourd'hui s'il faut retracer l'histoire de l'Afrique, c'est le message d'unité. Aujourd'hui le peuple congolais a que tous allons ensemble, tout est ensemble de manière à ce que tout travaille pour l'intérêt en Mboka Mundele, ni aucun individu ni aucune multinationale ne peut diviser les Congolais. Le message aussi très important, c'est que l'ouvrage est déjà là, Flame of Revolution. Et ça, l'ouvrage est écrit en anglais. Ça a été publié par une maison d'édition basée à Johannesburg. Les gens peuvent facilement me contacter, m'écrire inbox, ceux qui veulent la copie. C'est Dim Maziba, Dim, D-I-M-E, Maziba. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook et on pourra facilement causer. Le numéro de téléphone, je crois que vous allez afficher sur le compte de votre numéro, de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à vous, à Congo, France, pour l'invitation. Et vous faites un travail remarquable aujourd'hui avec le frère Didi Dipouma qui est en France et tout ça. Votre PDG. Donc, je pense qu'il faut que vous continuez dans cette lancée aujourd'hui d'information. Parce que notre peuple a zangi information. Seule information est comme ma révolution à changement. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous frère Dim Maziba. Il est le vice-président de la Casa Groupe Nabango, panafricaniste. Hein? Parti panafricain pour le progrès. Parti panafricain pour le progrès. Il y a un vice-président, on a laissé un roman. Yako Yambaye, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à la boss, je suis Didi Dipumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien sur 3fois.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.